What's up les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'étais en train de créer la vault, en gros, comme on vous expliquait. On va créer une genre de deux coffres, en gros, fucking secure, qui sera pas prenable. Donc il y a trois couches de chroma de chaque côté, de chaque côté comme ça. Et c'est caché sous quelque chose, donc voilà. Je vais juste aller à ma home base. Attends, on va setter un home ici. Del home raid, set home v. Comme ça on va aller au home base. Et puis on va prendre des seaux d'eau, tout ce qu'il nous faut pour la... pour faire la base quoi. Et puis Keshek c'est parti, donc Keshek c'est pas là aujourd'hui. On avait dit qu'on ferait le truc à PNJ, mais je vais attendre Keshek parce que moi je sais pas comment faire tout bien, comment dire. Et puis voilà. Donc on va prendre des coffres en rubis. Donc là j'essaie juste de voir où est-ce qu'il y aurait des coffres en rubis. Voilà. On va prendre ça, on va se prendre un peu plus de ça. On va se prendre... j'ai besoin des seaux d'eau. Ça serait ici je crois. Ici ou ici. Ah, j'en ai vu un. Non, c'est des bouteilles d'eau. Des bouteilles, des minerais. Chelou. Attendez. Ah, on peut prendre ça. Ah, un seau, voilà. Au pire des pires, je trouvais une solution. Ça, je sais pas pourquoi ça c'est là. Je vais aller au shop. Parce que, ben, comme vous voyez, j'ai pas de seau d'eau. Ah oui, s'il y en a deux là. Parfait. Donc, on va faire un slash home V. Ça devrait nous amener directement entre les deux trucs, normalement. Je pense qu'on va être obligé de faire une source d'eau infinie. Shit, attendez. Comment qu'on va faire pour faire une source d'eau infinie? Ok, on va faire ça comme ça. Comme ça et comme ça. On pourra prendre le milieu. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ici au-dessus. Et ici au-dessus. Ok, parfait. Nickel. Donc, on peut faire ça comme ça et ça marche. Donc, on va faire un compartiment en premier. Avant de faire l'autre, donc en gros, comme ça, et comme ça. Ensuite, j'ai pris des perles pour la bonne raison, parce qu'on en aura besoin. Donc en gros, comme ça, et des trucs comme ça, voilà. Donc ensuite, c'est ça ici, ça ici. Je suis pas certain, ici et ici. Normalement, est-ce que c'est tout plat? Non, il en manque là. Donc, normalement, tout est bon. Là, ça se peut qu'on va perdre ça. Donc, on va juste prendre une petite régène vite fait. Voilà. Donc, faut pas les mettre à terre. Donc, en gros, faut les mettre à un bloc du sol. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et là, on prend des perles. Voilà. Il nous reste un cœur. On a eu chaud. On a eu chaud. Et puis, en gros, ça, c'est les coffres full protect. Je sais pas pourquoi j'ai pris deux pommes de suite qui ont rien servi, mais bon. Détail. En gros, ça, c'est un coffre full secure. Donc, on va enlever ça. Comme ceci. Voilà. Donc, en gros, ceci, c'est deux coffres full secure. Ok, maintenant, on va passer ici. Donc, je pense qu'on devrait faire le coffre avant. Je me suis peut-être mal pris pour l'autre côté. Comme ça. Attendez, comme ceci. Comme ceci, comme ça. Voilà. Donc, en gros, on va faire ça. Tac, tac, tac. Oh, shit, je suis trop con. Ok, voilà. Voilà. C'est dans le milieu, excusez. Je me suis trompé. Voilà. 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 Et whoop-a-l'ail. Voilà. En faisant ça comme ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? En coupant ça ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On va prendre nos deux seaux ici et ici. Ah fuck, attendez. Voilà. On va prendre ça. On va aller faire ça. On va aller faire un tour à l'intérieur. Ok, so là ici c'est important de mettre de l'eau tout autour. Et juste vérifiant aussi tout est bon. Il n'y a pas de faille. Non, il n'y a aucune faille. Donc c'est parfait. Super. Donc là, on va juste essayer de pearl juste là. Voilà. Et maintenant, ben, on a notre truc ici. Donc ici, on va mettre des panneaux pour avertir, exemple, des messages privés ou des trucs comme ça. Mais normalement, ici, on va stocker tout plein de trucs qui sont intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? On va mettre aussi un autre coffre là et un autre coffre là. Ceux-là, ils sont pas sécures. Ça va juste être des trucs comme ça. Donc, on va mettre premièrement tous les trucs qui sont importants. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble, les amis. Donc, on va aller à la base. On va transférer tous les trucs. Stop. Spam. Please. Et...
J'ai l'impression que je vois juste deux personnes dans le chat, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc ok, là on va prendre tous les trucs qui sont, disons, rares, qui prennent toute la place dans mon honor chest. Par exemple, je donne un exemple tout con là, ça ici, ça c'est pas super pratique, ça, on va garder ça là. Ça, le royal, on va garder ça là. Ensuite, tous les trucs qui sont importants selon moi, donc ça, on va le réparer puis ça va être bon. Diamant, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Les minerais vite fait. Donc à peu près tous les minerais, parce que voilà, on a toujours besoin de tout plein de minerais, donc si on se fait piller cette base là, on aura toujours un backup de minerais quelque part. Assez pratique ça. Oh putain, on en a 17 de plus ici. Donc fiflarite, on va, je vais l'amener là-bas. Donc on va faire enlever. Qu'est-ce qu'on va faire? Ta chaîne elle est trop belle. Les gars, il y a un peu chien. Je suis désolé mon pote, mais voilà. Ok, donc on va classer ça par truc spécial. Dans le sens que... Ok, regardez. Exemple, tout le fer ici. Voilà. Tout le diamant ici. Voilà. On va prendre ça, mettre ça là. Mettre les blocs en haut. Ça, comme ça. Tac. Ça, comme ça. Mettre les blocs en haut. Tac. Le lapis, on va mettre ça là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le gold, comme ça. Comme ça. Fliflarit, comme ça. Le rubis, comme ceci. Et celui-là, comme ça. Donc, comme ça, on a ça. Le truc comme ça, on va pouvoir le mettre là vu qu'il n'y a pas beaucoup de psy, comme ça. Et le chroma, on peut se faire un ligne comme ça. Donc, voilà, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans le coffre d'à côté? On va mettre les armures. Donc, toutes les armures. Dans le coffre ici, on va mettre tous les outils, les trucs intéressants. Et ici, on mettra autre chose. J'avais une épée quelque part, non? J'ai jamais eu d'épée, ça se peut aussi. On va mettre ça là. Puisqu'on sait jamais, toujours important d'avoir des coffres en réserve. Et puis voilà, les amis. Donc, maintenant, voyons voir le Home XP. J'ai pas d'épée, donc ça sert à rien d'aller au Home XP. Je suis trop con. On va aller au Home Base. On va checker qu'est-ce qu'on peut faire là, au Home Base. Attendez. On va prendre potion de speed et j'aurais besoin d'une épée, donc n'importe quelle épée, ça dérange pas, tiens, prendre ça. Donc on m'XP. Kirigo, allez dans ton home. What the fuck? Je crois que c'est des copains. Qui a de la redstone? Donc ouais, ça par exemple, je sais pas si c'est encore en marche ou quelqu'un l'a pillé. Je vais pas vous cacher que ça a l'air vraiment détruit. Je sais pas si c'est normal. On va voir, peut-être qu'il y a personne l'a fait détruit. Ok, 1, 2 et 3. C'est pas détruit, c'est bon. Donc on va expliquer un peu encore ici, les amis. Et puis voilà, ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui est passé par ici, c'est sûr. Il a vraiment mal refait ça. Je vais juste supprimer ça. Et ça. Voilà, et c'est bon. Ok, ouais, so, il y a quelqu'un qui passe ici, je sais pas comment il a fait pour trouver ça sans détruire les spawners. Enfin, si tu repasses, s'il repasse, ou whatever, si tu joues encore sur le serveur, merci. Et est-ce que les araignées ont speed, là? Ouais, lol. Imaginez des araignées en speed, déjà que c'est des araignées, ça va super vite. Oh, ça doit être drôle. Ok, je vais level up un peu. Et puis je vais vous reprendre. Attends, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai des bottes en... Oh, what? Fifalite. Comment ça j'ai des bottes en fifalite? Où c'est... Quand est-ce que j'avais fait ça, des bottes en fifalite? Je sais pas, mais sont protection 2 en plus. Holy shit. Attends deux secondes. Je pensais que j'avais un stuff de merde, mais en fait, j'ai pas un stuff de merde sur moi. Enfin, si, mais non. Ok. Comme ça. Comme ça. Il faut que je continue sur mon stuff en royal. J'ai juste le casque. Oh fuck, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai juste un fragment de royal, ça en prend 6. Pour faire un, ensuite on va faire les bottes. Puis mon épée était là au passage. Ah voilà. Je savais que je l'avais oublié quelque part. Ok, bon ben les amis, gardez. Ça va être un plus court épisode aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vous reprends un peu tout de suite après, je trouve quelque chose à faire. Parce que là, j'ai pas d'idée pour l'instant. A tout de suite. Ok, vite fait, ça fait déjà 9 minutes les amis, ou 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait prendre tous les ingrédients qu'on a besoin pour la machine à potions. Donc, pour faire les potions,
te heal. Je vais avoir besoin de votre aide parce que je sais pas comment faire les potions. Comment craft des potions de... Comment... Attends, c'est des melons scintillants, right? Ouais. Ok, melons scintillants avec ça. Parce qu'on en a ça, on en aura besoin absolument. Ensuite, c'est quoi? Oh, ben là, c'est le deuxième coche que je vais ouvrir. On va prendre un peu de bouffe. Hein, parce qu'on en a besoin pour bouffer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous avez dépensé des melons scintillants. Donc, on a besoin de ça techniquement avec des pépites d'or. Donc, l'or qu'on a amené à la vault. On va aller chercher à la vault l'or. Donc, l'or pour faire des pépites d'or. Je crois que ça prend des... Je suis pas sûr. C'est stylé comme, comme truc, le rubis. Ok, attendez, c'est ici. Donc, on va prendre de l'or. Je pense qu'on en aura assez avec ça. Comme ça, 74. On va faire des pépites. Voilà. Ok, je pense qu'on en a extrêmement assez. Donc, slash craft. Oh, shit, ça marche pas. Workbench. Ça marche pas. You don't have permission for that. Slash back. Bon, ben, on va prendre un table de craft normal. On va remplir la machine de potions. On va voir s'il fonctionne bien. S'il fonctionne pas bien, on va essayer de les corriger. Vous savez que mes pro talents de redstone, les amis, je m'appelle Minecraft Zephyr. Salut, SLT. Hello! Et puis voilà, attendez. Donc. Je pense qu'on est pile poil ce qu'on avait besoin. 69. 64, excusez. Ensuite, on a ça. Ça. Il nous faudrait un autre stack de melon scintillant. Donc un autre stack d'or. Ok. Parce qu'on a deux machines, si vous vous souvenez. On va faire deux machines à heal. Oh non, une de speed. On va faire une de speed. Donc ça prend de la canne à sucre. Canasouk, j'ai vu ça ici dans le coffre quelque part. Au pire, j'ai-tu de la monnaie? Slash monnaie. J'ai 30$, ça va pas le faire. Je trouve la canasouk. Canasouk. Ça va être de ce côté-là. Foutu canasouk, mon pote. What the fuck? Genre, où c'est que... Attendez... S'il n'y en a pas, je sais qu'est-ce qu'on va faire. 41, c'est bon. Super, 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 super. 41. Ok, on a deux machines, il va nous manquer un peu de sucre. On en a, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre vite fait comme ça pour faire ça? De la glowstone! Donc, il faut que je trouve de l'argent pour acheter de la glowstone. Et, puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller à la base. Bah, en fait, on va prendre les melons qu'il y a là. Tout ça. Toutes les melons qu'il y a, on va vendre. On va aller au F-Home. Si vous vous souvenez, on avait fait une farm au F-Home il y a de ça un bon nombre d'épisodes, un bon moment. On va prendre ici, je crois qu'il y en a un peu dans les coffres, je suis pas certain. Même pas, je pense qu'il y a rien dans les coffres. Damn, il y a rien dans les coffres. On va prendre ça, on peut le vendre, ça on peut le vendre aussi. Il y a un peu de melon, ça on peut le vendre, ça on peut le vendre, ça on peut le vendre. Ça on peut le vendre aussi, on va prendre ça. On va aller à la vault, on va aller chercher tout ce qu'on peut vendre. La glowstone, il y en a un peu ici, il y a aussi un peu de melon. Donc on va prendre à la vault, on va prendre tout ce qu'on peut vendre. Désolé, j'ai éternué, je voulais pas vous faire entendre ça. Donc voilà, on va prendre à la vault tous les minerais de diamants. On va se garder juste une ligne avec un bloc, parce que le diamant c'est pas très très utile. On va prendre le fer, on va le garder sur le fer par exemple. Et puis voilà. On va aller au shop, parce qu'ils ont fait un nouveau shop, je sais pas si je vous l'ai dit dernièrement. Ils ont fait un nouveau shop, et puis on pourra normalement avoir vendre tout ça. On devrait être riche normalement, parce qu'on a quand même beaucoup de diamants. Donc, diamants on peut acheter et vendre, oui. Donc 64, ou sinon c'est 400 pour 700... What? J'ai l'impression que il y a de l'arnaque si tu prends celle-là. Parce que regardez, celle-là ça donne 70, right? Si on fait 70 fois 746, ça fait bien plus que ça. Attendez, je vais juste calculer vite fait pour être sûr. Si on fait... Ok, c'est 70 fois... Ils disent qu'on en a combien? 743 égale 52 000. Si on prend celui-là ici... Ah non, ça c'est acheté. C'est 0,66. Ah, t'as raison. Ils ont peut-être raison alors. Fois 743 égale 460. Ils ont raison. Ah là 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 là, c'est vraiment pas cher le diamant, il aurait pu au moins le mettre à 1. Ça aurait été un peu plus rentable. Ensuite, vendre ça, on peut pas vendre le charbon encore. Le fer, on peut le vendre, mais on en a seulement 2, donc on va faire tac tac. Voilà. Et puis ensuite, c'est quoi qu'on a d'autre à vendre? Pas grand chose, donc c'est tout. Donc on a un petit peu d'argent pour acheter de la canne à sucre, c'est ce qui nous manquait en fait.
Donc on va acheter ceci pour 32. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à acheter? Je pense que c'est tout. On a seulement deux machines de la glowstand. C'est vrai, de la glowstand. Faut acheter de la glowstand. Donc la glowstand c'est un peu plus cher. C'est méga cher. Donc il manque combien? 339. Fuck. Je vais acheter jusqu'à temps que je peux plus en acheter. Hein. J'ai pas trop le choix en même temps. Faut que j'en achète en plus pour plus que ça. Fuck. Fait que attendez, on va vendre les melons qu'on a ici. On est vraiment dans la merde niveau économie. On a vraiment pas beaucoup. Je vais en racheter un peu. Parce qu'il faut faire des heal 2, des speed 2. Donc c'est chaud quoi. Donc ok, on va faire ça déjà pour commencer. Et puis on essaiera de trouver d'autres après pour le faire. Donc on a ça. Plus ça. Donc ça comme ça. 14 comme ça. Avec le 7, ça qu'on va transférer en ça. Voilà. Donc on a les deux machines qui devraient être pas si pires. On a besoin de virer du nether. Je sais pas s'il y en a dans les coffres ici. Et là si on n'a pas de virus, ben nique sa mère, on va pas. Ah fuck, je pense qu'on en a pas de virus en plus. Je vais s'occuper de faire un champ virus du nether. Donc le premier ingrédient qui est les virus du nether. Ensuite qui est censé être le melon sétillant. Ensuite qui est censé être la portion de force 2. Et ensuite le splash avant de se transformer là. Donc ensuite dans celui-ci c'est censé être le sucre, le force 2, le splash. Et ça passe directement ici. Je crois, je suis pas certain. Yep, belay. Donc ensuite, ici, pourquoi le speed, il y a juste deux ingrédients? Speed, ah non, ça c'est les virus. Là c'est le, non, c'est tout, je me suis tout trompé. Donc ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et là c'est les virus. Techniquement, ça c'est ça, ça la même chose de chaque côté, donc voilà, là c'est les virus. Donc il faut juste trouver des virus les amis, et puis on devrait être correct. Donc il y a pas mal de trucs qui ont cuit ici. Et donc oui, c'est des fours automatiques si vous n'avez pas remarqué. Puis voilà, les amis, on se retrouve ici pour ce premier, pour cet épisode-là. Le prochain épisode, je pense que je vais faire une farm à virus du nether. Donc, je vais trouver des virus du nether. On va essayer de construire ça, peut-être ici, quelque part dans la mine. Donc, voilà, les amis, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. À la prochaine. C'était Icon. Salut.